Berthelot et Andreas Roger. Vraiment un très très beau concours. Un concours qui vous donne la chair de poule. On était très bien guidés comme d'habitude par Daniel Progin. Et nous avions les mêmes terrains qu'hier. Nous avons retrouvé plus d'oiseaux encore qu'hier. Beaucoup d'oiseaux. Toujours nous avons été en présence d'oiseaux. On a vu énormément de plumes et de signes, d'indices. Et il y avait beaucoup d'oiseaux sur le terrain. J'espère que tout le monde comprend. Devo fare la traduzione. Eh? Sì, è il minimo che puoi fare. Eh? Voilà, un excellent ensemble de chiens. Un eccellente gruppo di cani. E avant de vous parler de la relation, je vais moi aussi remercier mes amis Paul et Liliane Duchin et toute leur équipe pour cette extraordinaire ambiance qu'ils savent créer ici et qu'on est toujours aussi heureux de retrouver tous les deux. Bravo. Grazie a tutto quello che fanno per l'organizzazione di questa prova. Voilà, donc trois chiens classés, beaucoup de chiens en présence, beaucoup de points qui sont même parfois mal terminés. Tre cani classifica, molte occasioni conclusesi male. Premier excellent CAC Romeo, conducteur Domenico Vaca. Deuxième excellent Owen, c'était anglais, appartenant à Monsieur Bonzi. Troisième très bon best, conduite aussi par Domenico Vaca. Alors, Romeo, on va parler tout de suite de Romeo, qui a fait une prestation typique de la montagne, telle qu'on voudrait en voir beaucoup. Prestation typique de la montagne, comme avremmo piacere di vederne. L'avidité, la concentration permanente sur le terrain. L'avidité, concentration permanente sur le terrain. L'action continue. Azione continua. Un galop très correct. Un galop correct. Pas fébrile, mais toujours assez rapide quand même, avec une excellente prise de terrain, une excellente occupation. Non fébrile, mais buono, con una eccellente occupazione del terreno. Et ce chien, avec beaucoup de méthode, con molto metodo, a été prendre en fin de parcours un point magnifique dans un endroit en plus extrêmement esthétique. Andato a prendere un punto magnifico in una zona molto un amphithéâtre. Voilà, piacevole à vedersi. L'amphithéâtre devant les spectateurs. L'amphithéâtre per tutti gli spettatori. Le chien a d'abord eu connaissance. Ha avuto conoscenza. Et avec beaucoup de décision, est allé arrêter fermement devant. Avec une très belle expression, c'était. Le point était parfait, le parcours excellent. C'est assez. Alors, le CAC étant unique aujourd'hui, le CAC étant unique, il aura donc le CACIT. Avec plaisir. Bravo. Le deuxième excellent, c'est Owen, que conduisait M. Bonzi. C'est aussi un excellent parcours, c'est une chienne qui a été tout de suite présente dans l'action de chasse. Anche questa è la cagna di Bonzi, un'eccellente cagna, subito attenta, subito pronta a cacciare. Dans la zone où Romeo avait pris le point, elle a été prendre deux points successivement sur deux jeunes oiseaux. Nello stesso punto dove Romeo aveva preso il punto, lei è andata a prendere due punti dopo successivamente. Voilà, un appui vocal un peu au premier point, mais appoggiato in maniera vocale un po' esagerata. All'italiano, va. Et après, elle a fait un excellent parcours, mais l'ensemble du parcours ne pouvait pas prétendre au CAC, donc pas prétendre. Le troisième très bon, c'est Bess, que conduisait Domenico, qui a fait aussi. Il a fait un très bon parcours ce matin, un début un peu difficile. Et il a été prêt d'après un excellent point fort loin. On va prendre son punto molto lontano. Mais il a été appuyé à l'endroit et au très bon. Conclusione all'italiano. Grazie.